Salut! Bienvenue dans Bref Instant, la vidéo qui te parle vite fait d'une série en cours. Et s'entraîner, c'est parti pour Re:Zero Kara Hajimeru Isekai Seikatsu. Subaru, un lycéen sortant d'un magasin, se retrouve dans un monde alternatif fantastique. Attaqué par des brigands, il est sauvé par une fille aux cheveux argentés. Mais pour rien lui devoir, il décide de l'aider à retrouver son objet qui a été volé. Mais à la fin de la journée, il se retrouve tué par une attaque ennemie. Et quand il se réveille, il se retrouve pile à l'endroit où il est arrivé dans le monde, et il se rend compte alors que quand il meurt, il a le pouvoir de remonter le temps. Alors pour l'instant, la série a assez bien débuté. Ouais, ok. En fait, si on regarde les journées sur le retour vers le passé, on se rend compte qu'en fait, il n'est pas parti bien loin. Mais c'est justement cette approche qui est intéressante. À chaque fois qu'il meurt, il ne fait pas la même chose. Du coup, la façon des événements se déroule change. Sans compter les autres personnages qui réagiront en fonction des faits et gestes de Subaru. Du coup, à chaque boucle, il le redécouvre, mais d'une façon différente, et leur réaction ne sera pas toujours les mêmes. Quant à l'intrigue principale, on peut déjà soupçonner un petit quelque chose, mais ce n'est pas encore très clair, car cette première partie met surtout en place l'univers, avec des événements qui causera toujours la mort de Subaru, jusqu'au moment où il réussira à éviter que ça se passe. En tout cas pour moi, une chose est sûre, cette série fait déjà partie d'une de mes préférées de la saison, maintenant reste à savoir, c'est aussi la vôtre ?